là, il ne marche, hein, il ne faut que marcher encore. Donc vous voyez, même on pourrait passer des heures à comprendre donc qu'est-ce qui fait que ce soit un salon plus qu'un autre. Oui. Une question sur le ralentissement et la marche, c'est-à-dire que ça m'a l'air très spécifique du tango et de peut-être de danse inspirée maintenant, comme qui s'en va, juste comme ça, mais de ralentir tout et donc de marcher. Énormément de positions d'équilibre, même si elles paraissent un peu risquées en quelque sorte, des axes phoniques, mais on marche, on joue très peu sur le balance, sur la balistique, les mouvements sont toujours tenus, et tout va plus lentement. C'est comme les gens qui dansent, il n'y en a pas beaucoup, ils dansent la valse en marchant. Le simusette, qui danse très peu, c'est ça, c'est on marche, on a un petit pas, on tourne un peu plus vivement, mais on n'a pas du tout le ballant de la valse viennoise, etc. Donc ça paraît. Un truc très tellement spécifique du tango, je me demande qu'est-ce qui s'est passé, ce trait-là, en plus effectivement le rapprochement des torses avec la torsion et en même temps la proximité, qui est très, aussi très spécifique, je trouve vraiment. Le côté graphique de la marche, c'est-à-dire on trace un trait et la marche est entièrement pensée. Alors, dans le cas de ce couple en particulier, en fait, ces dernières années, il y a tout un mouvement qui revendique, hein, donc il y a une sorte de réinvention énième qui revendique une sorte d'authenticité dans certains tangos salon qui seraient originaires dans certains quartiers, un barrio, dans certains quartiers de Buenos Aires. Il en faut partie. Alors, effectivement, l'opération. Peut-être pas consciente, mais je ne vais pas regarder la psychologie de ces danseurs, c'est précisément une focalisation sur les qualités de la marche. Ils font très peu des entre-mêmes figures. Oui, mais même ceux qui font beaucoup de figures, ils marchent quand même. Enfin, il y a des choses qui produisent la marche par opposition à tout ce qui a été cité avant, comme danse européenne, le couple est en formation, le couple dansant. Polka, mazurka, la valse, on ne marche pas, on veut dire, ça tourne, hein, c'est, voilà, donc ça c'est vif, on fait jamais un truc comme ça. Donc ça m'a l'air, je sais pas, mais quand on est sûr que c'est intervenu cette espèce de lenteur, de remplacement de la marche, de la danse virevoltante, et avec des mouvements balistiques où les membres partent et ne sont pas complètement contrôlés, à quelque chose qui est de la marche vraiment. L'essentiel c'est de marcher. Avec des figures, mais on marche, enfin on ne saute pas, on ne tourne pas vraiment, au sens où on n'est pas entraîné par des mouvements giratoires qu'on abandonne, qu'on laisse aller, on ne sautille pas, très peu, si on oui, c'est les sautillements. Non, mais enfin, oui. Ça, c'est le passage de la. Non, mais ça paraît tellement populaire. Et par opposition, opposition à ce qu'il y avait avant, je voudrais comprendre ça. Ce décalage est si fort, si marqué. Que danser, ça signifie ça d'un seul coup, marcher beaucoup, plutôt que sauter, virevolter, tourner de façon fouleuse. Voilà. Et là, ce sont des trucs de théâtre. Mais tous, ils font c'est des trucs de théâtre. Quand tu vas dans la rue, moi je regarde, tu as. Ils marchent encore plus, parce que c'est tellement difficile qu'ils vont encore plus lentement. Donc, Et je dirais plus, est-ce que vous avez parlé du début du tango? Tu savais en retard. Est-ce que vous avez parlé du début du tango en forme? Mais il faudrait peut-être la laisser. La question, c'est la lenteur, l'invention de la lenteur, de la marche, par opposition aux danses de couple, comment dire, qui existaient en Europe, et qui certainement en Amérique latine aussi, et dans lesquelles ça bouge fort et beaucoup. Et d'ailleurs, on marche pas dans la. Alors, sauf. Il y a des hommes, on a commencé à inventer des versions de la valse marchante, mais au XXe siècle. Ça s'appelle la valse musette, c'est même attribué des petites légendes urbaines qui disent que c'est les ouvriers italiens qui ne posaient pas leur musette, donc ils ne pouvaient pas tourner vite, ils n'avaient pas envie, donc ils ont inventé une petite façon de danser comme ça à 5 minutes, voilà, et on marche. Alors, il y a deux réponses possibles. Une première réponse est due au rapport avec la musique, c'est-à-dire. J'ai parlé un petit peu du Doppelquattro,
Puis, au fur et à mesure que la formation de l'orchestre typique se stabilise, et donc il y a l'introduction des violons et du bandoneon, on dit qu'entre les années, disons à partir des années 20-30, et aussi avec l'introduction de la lettres, donc des paroles chantées, le rythme se ralentit et effectivement le tango tel qu'on le connaît, même si on lit des partitions, est calé sur un 4/4, ce qui permet plus de pauses, puisque et aussi l'ajustement à plusieurs lignes mélodiques, puisque on peut suivre aussi bien le rythme que les voix des différents instruments. Puis il y a aussi une autre réponse qui concerne, à mon avis, que les corps et la formation du geste. C'est un peu ce que je pense. C'est-à-dire, à mon avis, il y a un renversement de la priorité. Au sens où il ne s'agit plus d'effectuer une séquence de pas ou des figures, donc de virevolter, etc., de tourner, mais il y a une attention différente et majeure justement à ces modalités des mises en place du corps qui ouvrent, qui engendrent l'effectuation, qui permettent l'effectuation du geste même. Donc j'ai parlé un peu du corte et de la quebrada, et le corte surtout, on l'appelle, certains auteurs, il y a une auteure, une psychanalyste et danseuse qui l'appelle en espagnol, impulso suspendido, et qui est, je voulais le dire, mais je ne l'ai pas écrit, donc je le dis maintenant, en fait, c'est ce qu'on peut rapprocher de ce qu'on appelle en danse contemporaine les mouvements résiduels, c'est-à-dire un élément, des éléments de pré-mouvement, le pré-mouvement est une autre notion développée en danse contemporaine, qui font que on puisse en fait reprendre le début d'un mouvement, d'un geste pour s'ajuster dans des cas de déséquilibre ou bien retenir ce qu'on allait faire en tant que geste et on le retient dans une sorte justement de suspension. Et cela a introduit en tout cas un élément qui est dramatique en quelque sorte, en tout cas un élément expressif. Cela explique aussi d'un point de vue d'ajustement entre les danseurs et d'un point de vue, donc c'est il y a deux raisons, une raison pratique et une raison en quelque sorte expressive, au sens où par exemple c'est exactement cela qui génère les dites fioritures de la femme. En espagnol, on les appelle adornos. S'il y a un moment de déséquilibre, ou bien on sort d'un temps, d'un rythme qu'on est en train de suivre, en effet, cette suspension presque du mouvement. On ouvre un espace de jeu pour la danseuse. Voilà, exactement. T'as une petite arène temporaire, elle peut tomber. Est-ce que tu veux conclure et puis comme ça on peut prendre des questions? Oui. Alors bon, je termine alors sur cette danseuse et psychanalyste Lydia Ferrari qui, dans son dernier ouvrage, qui vient d'être traduit aussi en français, moi je l'ai en espagnol, bon, démontre. Donc, par exemple, que les différents enchaînements de mouvements, les différentes figures du tango, souvent encadrées dans des macro-styles distincts, tels le tango milonguero ou le tango nuevo, comme on l'a vu, se génèrent à partir des mêmes éléments posturaux partagés et transmis au fil du temps. Et donc, je conclue avec elle, qui affirme « Si l'on conçoit les styles comme des instances fermées, on néglige des aspects partagés par tous les styles. » L'improvisation, en tant que très essentielle du tango, rend possible la multiplicité de l'expérience chorégraphique.
Lorsque l'on établit que le 8 coupé, 8 cortado et mi longuero, lorsque l'on dit que la bolcada, c'est du tango nouveau, on fige l'expressivité et la créativité du tango. Tout d'abord, car cela ce n'est pas certain. Il s'agit de moments dans l'évolution incessante des jeux chorégraphiques. Il est tout à fait possible que le 8 coupé soit dansé sur une musique des Piazzolla, qui souvent ne passe pas à milonga, tout comme la bolcada est absolument compatible avec les tangos milongero, d'autant plus qu'elle dérive d'une étreinte apilada inclinée. Merci. Je t'ai pas laissé poser ta question. Et c'était une question toute bête. Vous voulez allumer peut-être ? Bon, alors vas-y. Ah oui, vous voulez allumer ? Ouais. Voilà. Et en fait, ça pourrait aussi revenir sur cette question de la marche. Et parce que, bon, tel qu'on les voit, tel que aussi j'ai des souvenirs, j'imagine que ce n'est pas toujours le cas, il est conçu comme cet espace où se développent les tangos, et ce serait extrêmement difficile de l'effectuer collectivement. Je veux dire, dans un salon où tout le monde danserait. Et comme ça, on peut le concevoir ça. On le voit collectivement danser. Vous avez pris un moment, si tu veux dire, dans les gestes. Est-ce que vous avez regardé les paroles des tangos classiques ? Alors, vous connaissez le bufado. Est-ce que vous savez que dans les années 30, les tangos étaient interdits, comme Aragán, qui veut dire paresseux, parce que c'était révolutionnaire ? Que les péronistes ont interdit les tangos. C'est-à-dire que ça c'est pour le touriste, ce que vous montrez là. C'est-à-dire c'est le tango d'après-demain, d'aujourd'hui, qui est fait surtout de façon, je dirais, spectacle. Mais le tango n'était pas un spectacle. Le tango, c'était un corps à corps. Moi, quand j'avais 14-15 ans, mon père m'interdisait d'aller danser le tango parce qu'on te touchait. Bon. C'est très simple. Alors là, c'est comme la valse, mais beaucoup plus près. Et alors, excusez-moi, je termine un petit truc. L'autre jour, j'ai donné à Néstor Cordero, qui est un grand spécialiste du tambour à Paris, j'ai un petit opuscule que j'ai trouvé chez un bouquiniste, qui s'appelait De la valse au tambour, qui est des années 20. Et alors, il y avait les corps. Alors, le corps du valseur, c'est à peu près cela. Et le corps du tango des années 20, ma grand-mère à Paris, était à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous retrouvez quelque chose que vous ne retrouviez pas. En este tango que es burlón y compadrito, se hicieron voces la misión de mi suburbio. En este tango nació el tango y con un grito salió del solo y lo barría buscando el cielo. Et c'est-à-dire que ce petit tango qui est mon cœur est mature, est sorti de rien, et bon, avec ce tango, il est sorti des faubourgs, sordide, pour regarder le ciel. Alors, il y a, ça c'est une autre, c'est que les premiers danseurs de tango, d'où le côté négatif, et disons que la société comme il faut n'acceptait pas, c'est que c'était danser entre mecs, c'était grâce aux hommes. Donc il y a un côté homosexuel très important qui était déjà des années 20, etc. Alors, ce qu'on trouve maintenant, c'est le côté chorégraphique. La plupart des danseuses de tango actuelles, là, on en voit, la plupart des danseuses de tango actuelles, elles ont fait de la danse classique d'abord, elles n'ont pas trouvé de place, et puis elles ont fait ça. C'est une redistribution qui a très bien marché grâce évidemment à la mode du tango des années 70-80. Mais avant la guerre, c'est autre chose, et à l'époque, disons, de la Première Guerre mondiale, quand les riches inventaient venir avec leur vache et leur tango, c'était à peu près. Et combien de couples pouvaient danser dans une salle? Beaucoup, et tout le monde se touchait.
Alors, ah non, oui. juste une précision. Alors, je suis tout à fait d'accord. Alors, pour cet exposé, j'ai montré des vidéos, des démonstrations, simplement par commodité. Ah c'est-à-dire, oui, puisque ce qui m'intéressait, c'était vraiment de montrer l'articulation du geste. Donc, un seul couple qui fait une démonstration est plus simple que aller trouver les mouvements-là, justement, dans des salles où il y a. Alors, pour te répondre, il peut y avoir même 40 couples en fonction de la capacité de la salle. D'où le fait que depuis presque les débuts, et là ça revient, même en France, il y a le Códigos de la Milonga, donc des normes de conduite qui avaient d'un côté, disons, une ascendance plus ou moins morale en termes d'éthique, d'étiquette oui. du comportement, mais de l'autre côté aussi une fonction absolument pratique, justement pour gérer le nombre de corps. C'est donc le touche à tout, quoi. j'ai des diagrammes à la maison. Où en fait il est prescrit de danser selon trois lignes imaginaires de l'extérieur, des bords de l'espace de danse, et cela reprend la signification de la ronda du fait d'entrer dans l'espace qui est un espace rituel en quelque sorte vers la ligne la plus près du centre et donc en se plaçant disons sur cette ligne imaginaire, on peut plus ou moins avoir des marges de liberté par rapport à des gestes assez grands, assez amples, par exemple des jambes. Souvent on dit que même si le premier pas, le pas des débuts de tout type de tango dansé et un pas en arrière du cavalier, du partenaire qui mène, en général, on dit que dans la milonga, on ne fait pas pas en arrière puisqu'on a un couple derrière. Et donc, on peut dès tout de suite toucher l'autre couple, enfin, les suiveurs ou la suiveuse de l'autre couple. Donc, mais c'est pour ça exactement. J'essaie de voir.